côté na bino nyo surtout et surtout bino bateau bolela DRC télévision chaîne na bino en ligne oyo les ali kopé sa bino actualité politique sécuritaire économique ya République démocratique du Congo tout ça bongo na isengo ya okutana na bino lelo lundi lundi au wapi Matoyi na miso ba Congolais ezali bongo na Radio Télévision Nationale Congolaise pona kolanda sorti oyo ba depuis ba yebise biso la sortie imminente tozali kozela neti Jésus-Christ vient bientôt mais tozali ko pesa bino ba mwa fuite d'information selon ba table toujours qui pourquoi gouvernement ba publier ki yango mukolo malobi dimanche te et pourquoi il y a eu ce blocage le chef de l'État à réduire taille de 45 à 40. Est-ce que c'est vrai ou pas? Nous allons en parler au courant de ce numéro de décryptage de l'actualité politique en première partie. Deuxième partie, Tokolobela Ngainabino na condamnation à la peine de mort. Il y a ba Polonais, Oyo, ba Kanga Kibongo, dans le rang, il y a ba M23, Oyo, ba yaki ko soutenir Bango. Ils ont été condamnés pour sabotage et espionnage par la justice congolaise. Pendant que nous sommes en train de parler sur ce plateau, 12 M23 capturés et d'autres neutralisés. C'est ainsi le bilan Oyo Yamokolo Yalobi dimanche 26 mai 2024, OAPI, forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées par le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, infligé Bango défaite Yamakasi à plus ou moins 30 km de Kanyabaonga. C'est dans le territoire de Rutshuru, Masisi, également dans le territoire de Lubero, Bisika, OAPI. Armée et Zali ko consolider les positions qui ont été acquises na maboko yabayi M23 na minute yo une bombe lancée par le M23 et koyi dans une école et la situation scolaire elle est un peu tendue de ce côté-là. Nous allons également en parler. Nous parlerons également du général-major Bruno du 34e région militaire qui est condamné à la peine de mort pour avoir détourné 200 000 dollars destinés à la prime de nos militaires qui sont à l'est en train de se battre contre l'ennemi et l'agression. Nous allons également parler de cette situation qui sévit au niveau de la communauté internationale, les nouvelles alliances, la relation entre les Kenyans et les États-Unis d'Amérique. Pourquoi cette volte-face des Américains face au Rwanda et aujourd'hui le Kenya est devenu le meilleur allié des Américains? Qu'est-ce qui se passe pour que William Ruto puisse épingler la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo? Voilà un peu les grandes lignes de l'actualité. Voilà pourquoi Nali Kosenga Bino, Nangonga Oyo, likez vidéo Nabiso, aimez vidéo Nabiso, partagez lien pour être Bakongoma Nitu, Bazwa, Manaka Oyo en direct. Je vous ai dit, mes chers compatriotes, Misu Namato Yabakongomani ezali na Radio-Télévision Nationale Congolaise. La publication ya gouvernement Judith Suminwa ezali imminent depuis Tina Salama Lubaki, imminent. Tinelo, le yeux toujours fixé sur la RTNC, naba oy bazali na télévision. Les oreilles, tiens yango na RTNC, pour na bao bazali na radio, pour suivre la publication, y a gouvernement. J'ai toujours dit et je le redirai toujours. Batoyo bazali pembeni ya tata mokonzi ya ekolo bali kosunga ete. Je vous avais démontré le sorcier de la République, Baza Batoyo bino bozali kobenga présidium ya Union Sacrée. Ils ont bloqué, mes chers compatriotes. Vous allez nous excuser. Ils ont bloqué, mes chers compatriotes, pendant 5 mois. L'installation y a bureau définitif y a Assemblée nationale.
Lelo bali ko bloqué publication ya gouvernement. Ba ti a lobby ba tutu bazui. Ya se retrouvé te. Et comme ya se retrouvé te na gouvernement, je dis tu soumino. Ba nommé ye azala vice-premier ministre et ministre ya bidye. Place blocage ezali yangoana. La première ministre a l'obaté à co-travailler na ba autorité moralité. La question que tout le monde se pose, est-ce que na AFDC à part Baati Mutumusu soit qui co-travailler à Zalité? À part Baati Mutumusu soit Mayele na AFDC à Zalité? Pour le gouvernement, ils allaient bloquer publication gouvernement, ils allaient bloquer. Les gens attendent que le gouvernement ait bima. Parce que Oyotozali n'a pas zali quoi assumer les affaires courantes. Ba koki kozwa ba décision ya makasite. Ba koki ko bimisa misolote. Ba koki ko engagé te. Parce qu'ils assument les affaires courantes. Mais pour leurs propres intérêts, le lobe a tiloukwe bo bloc. Le chef de l'État veut que la taille du gouvernement puisse passer à 40 personnes. D'autres personnes veulent se retrouver. Bah, oh, bah, si, bah, se retrouver, bah, lingi, bah, tchabana, na, bango, net, côté, à INC. J'aurais appris que parmi les ministrables, à INC, il y a Massaro. Massaro, Yobino Boyebiwana, c'est lui qui est ministrable à côté de l'INC. Doit-on attendre quelque chose de bon? Na gouvernement, lingi, bima. Peut-être le n'a pas quoi, gouvernement et Kobima. Peut-être le n'a pas quoi, Boyoka, urgent, urgent, communication importante. Il y a présidence de la République. Tina Salama depuis Abandio Bongisa Mikro, Tina Loazo Bongisa Kaka Mikro. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages de personnes qui veulent se retrouver, de gens qui veulent envoyer le membre de leur famille. Oyo batika ki na Sénat, oyo batika ki na Assemblée provinciale, ba oyo batika ki na Assemblée nationale wana muke. Ndeko, pourquoi vous dites que abatika ki ban na bango na ba ndeko ba membre famille na bango? Mais écoutez, lorsque mutumo ko abimi député provincial, député national, sénateur, yemoko lisusu gouverneur, soki otali ba sipleya ya batwana, bazalinde bana na bango na basi na bango. Donc, c'est toute une famille qui a du travail aujourd'hui. Et que 100 millions de Congolais bazali kokufa nzala. 5 millions de Congolais, Bazali, Kokoufa, Leloyo, Bali, Koluka, Misala, le chef de l'État, lorsqu'il les avait réussi, ces députés de l'Union Sacrée, a yébissé qui bango que ces gouvernements, ils allaient à trois priorités. Cette législature a trois priorités. Il y a d'abord le problème, il y a aussi l'insécurité de l'Est. La deuxième priorité, ils allaient bongo, mes chers compatriotes, le social du peuple congolais. Et la troisième priorité, mes chers frères, c'est donner de l'emploi à la jeunesse. Regardez comment Baati, pour prendre le ministère du Bidier, Azali qu'on bloquait le gouvernement. Azali qu'on bloquait sorti à gouvernement. Il veut que lui-même puisse prendre les bidiers. Les bidiers yango bandeko. C'est pour en faire quoi? Il était au ministère de l'économie. Il était au ministère du travail. Quel a été le travail ou soit le résultat de ce même Baati? Son époque est révolue. Monsieur Maradona veut dribbler tout le monde. On va revenir sur le sujet du gouvernement avec de plus amples détails. Les minutes me sont reparties. Alors, mes chers compatriotes, je veux que vous puissiez aimer la vidéo et partager. Mais je vais ici parler maintenant de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, ça fait plus ou moins 2 semaines. Oyo mapinga na biso ezali ko faire face na ba rebelle ya M23. Ba rebelle baza na kati ya kobeta madine manière
spectaculaire. Ba rebelle ba beta mi d'une manière générale. L'armée congolaise repousse une nouvelle tentative de la coalition M23-RDF à Kiangala, en territoire de Routchour. Et l'a neutralisé et capturé d'autres. Mukolo ya lobi dimanche 26 mai. Ça a été une journée sombre pour le Rwanda. Ça a été une journée sombre pour le rebelle du M23. Ça a été une journée sombre pour Museveni. Plusieurs arrêtés. Au nombre de 12 capturés côté Abayi M23. Et tous sont de militaires rwandais qui ont été neutralisés par les Wazalendo avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Mapinga Nabiso, Mapinga Yasolo, depuis des semaines, Bazali ko infligé de défaites sanglantes. Depuis des semaines, Makambo Ezali à Kobaluka, Machi et Baluki, le M23 commence à utiliser le terme repli stratégique. Et na minute yo, Bazali ko luka ba brebis galeuse au sein de nos forces armées de la République pour les corrompre avec de l'argent, afin de dire aux troupes qui sont au front, il n'y a pas ça la repli stratégique. Mais la malo, le moyen va corrompre les alités. Parce que depuis restauration de la peine de mort, il a été ajouté le repli stratégique comme une infraction aux sanctions nango les alités la peine de mort. Pourquoi je le dis? Bah changer le terme repli stratégique, Batye yango fuite devant le stratégique, Babengi yango fuite devant l'ennemi. Yango bozo mona lelo, Banyarwando bozali komona, Batika la jamais kobunda na FARDC, mbunzu na mbunzu, neti mibali bali kobunda te. À chaque fois, c'est de débandade totale. À chaque fois, c'est la fuite vers l'Ouganda. Lelo na minute yo, mes chers compatriotes. Les gens se posent la question de savoir cette détermination qu'a nos forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui, la prise de conscience, la montée en puissance de notre armée, je ne vois aucun opposant en parler, je ne vois aucun opposant tweeter, je ne vois aucune marche pour soutenir ces forces armées de la République qui sont en train de faire reculer l'agresseur. Malgré la présence, je vous ai promis, je vais parler des Polonais qui ont été condamnés à la peine de mort pour sabotage et espionnage. C'est les forces armées qui ont mis la main sur ces Polonais qui étaient dans le rang du M23. On ne voit aucun opposant, on ne voit aucun activiste descendre dans les avenirs pour appeler la population congolaise à venir manifester pour appuyer l'armée congolaise ou soit manifester l'appui de la population à notre armée qui est en train d'abattre un travail de qualité au niveau de l'Est de la République. Hier, ça a été une journée sombre pour les ennemis de la République démocratique du Congo. 12 capturés, tous des militaires rwandais de forces spéciales rwandaises. Tous capturés à Kanyabaonga. Une centaine. Balani n'a se bakéi qu'on rejoindre Christian Malang. Dans des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce dimanche 26 mai à Kiangala, à plus ou moins 30 km de Kanyabaonga. L'armée congolaise, appuyée par des jeunes résistants Wazalendo, ont repoussé l'ennemi qui voulait déborder à Kiangala. 12 parmi les M23 ont été capturés et plusieurs autres neutralisés. D'après cette source, les éléments de la coalition M23 n'ont pas pu faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont porté la tenue de l'armée congolaise pour se faire passer pour le FARDC. Mais cette tactique a vite été découverte. Donc aujourd'hui, on peut se rendre compte que la même stratégie des officiers, je vais parler du général-major Bruno, qui est aujourd'hui en train d'être jugé parce qu'il a détourné 200 000 dollars y a prime, y a mapinga na biso bato bazali kobuna. Regardez un peu
Réflexion ya ba Congolais. Regardez un peu l'imagination ya Congolais. Ba tu baza na front, ba li kobunda, prime na bango, parce que tu es commandant de la 34e région militaire, tu détournes cela pour que nous se payer des villas, on se tape des parcelles luxueuses et que nos frères qui se battent à l'est, baza na tima ya komela. Cette fois-ci, le traître, nous le poursuivons et c'est là qui ont l'habitude, il y a une mauvaise action, tu as allé au Kangabango pour que cela donne des leçons, naba oyo bazali kotikala na rang ya forces armées de la République. Et la même chose s'est répétée, Mokolo ya lobi. On s'est posé la question de savoir, le nouvelle tenue en forces armées de la République, et comme il y a maboko à Banyarwanda, ndengeni, parce que lobi ba l'attaque sous koutou. Il y a armée nabiso ya sika. Ils se sont bah, se camouflés na teni wana pour bazala confondi. Baye ba mona ke oyo bazali ba oyo ya biso. Mais leur tactique a été vite découverte. Et ils ont été mis en débandade. Mwana bendana. Ma kolobi ki sanga iso ki nabi ki na osombelo sapat. Ce sont les paroles au ba IM23 baloba ki mokolo ya lobi. Parce que plusieurs armes ont été récupérées. L'arme la plus lourde, c'est qui n'a pas niveau ya Kimia Rwandi, cette arme a été détruite et le cortège qui accompagnait celui qui était chargé de renseignements, ce cortège a été décimé par des tirs ciblés de forces armées de la République. Et na minute yo, ezali yo tongai. Pourquoi n'a pas le babon? Ba komi doute. Nani azali kondima moninga. Qui peut croire? Qui a confiance dans l'autre? Du côté M23, ba tu azali komi sa la lissu sous confiance. Et pour preuve, Corneille Nanga, tout la mouisi yazaz. Il n'est plus sur le terre congolaise. Corneille Nanga, direction l'Ouganda. Pourquoi? Regardez. Corneille Nanga Abanda s'installa qui n'a niveau ya Bounagana. Il utilisait les panneaux solaires ya douane ya Bounagana pour na kosale la ba appareil électroménagère au bazala qui nango. Na minute yo na fuite ya Corneille Nanga parce qu'il n'arrive pas à comprendre l'avancée oyo armée azali nango. Ils peuvent atteindre Bounagana n'importe quand. Et je vous dis que vers même la fin du mois de juin, tokoki ko conquérir l'intégrité territoriale n'a parti aux Zalaki na maboko ba IM23. Et comme l'avancée de l'armée, le repli stratégique est zati, le brebis galèse, Obabanda qui corrompre, Maeba corrompre, Bango Lissousou, et Zalite, ils ont essayé d'avoir le tenu de faire d'essai. Balati Angolobi et Simbi Kakate, Kone Nangalobi, Amibi Kisanan, Ako Manangambuya, Uganda, ba démonter ba panneau nyonso ya douane ya Bounagana. En complicité avec l'armée ougandaise. C'est ainsi que l'armée avait lancé ses opérations afin de montrer à l'Afrique, afin de montrer au monde entier que même si vous apportez votre soutien, que ce soit militaire, que ce soit matériel, même si vous donnez Nenge, Joe Biden à Outi Kokosa, le président Kenya William Ruto, je vais faire de toi le partenaire, le meilleur partenaire, il y a États-Unis au niveau de l'Afrique. Rien que dit mensonge. Bali Kokosa yepo ba. Réussir, but Oyo, Bami Pesaki. Le but, c'est d'amener Tshisekedi à dialoguer avec l'M23. Vous l'avez suivi. Il était na maison ovale ou na maison blanche, Oyo Bino Bobinga ka maison blanche. A l'obi, Oye, Yakoloba Makambuya Mbokanaye, il s'est appesanti sur la situation de l'Est de la République. Il a dit que le problème du M23, ce n'est en aucun cas le problème du Rwanda. Il a cité que le gouvernement congolais, il a accusé le gouvernement congolais d'avoir refusé de dialoguer avec ses propres compatriotes. Donc, Masolo Yoya Kendelaki Maison Blanche, c'était pour parler de l'Est de la République. La mission qui lui a été confiée, c'est la même mission qui a été confiée à João Lourenço, qui a échoué aussi, lui également est en train d'échouer. La position du gouvernement congolais, le président de la République a dit
qu'il négociera jamais avec le M23 parce que le M23 c'est une coquille vide. La pression qui s'accentue sur ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au front, ils sont en train de mourir. D'autres prennent la fuite. Bamusu ba militaire rwandais, ba boy kozonga Rwanda, ba koti na kati ya Uganda. Po ba yebi ke soki bazongi Rwanda kuna ba kozongi sabango awa na force par le président sanguinaire, le dictateur Paul Kagame. Ainsi, pour maintenant un peu coadoucir la tension qui est en train de monter, la montée en puissance de l'armée, ces Américains-là ont voulu collaborer avec le Kenya. Pourquoi? Parce que Bango Américain, n'Afrique, chaque année, va soutenir Rwanda. Des millions de dollars, va payer ça Rwanda. Des soutiens sur le plan militaire, va payer ça Rwanda. Le lobe a montré que tu sais que y a Bimisi, Rwanda Polele, tu sais que y a tel ici que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Maintenant, moyen va continuer à cofinancer Rwanda et Zalite pour qu'il y ait un moussapi directement à Kenya. Or, les politiciens avertis savent que le Kenya et le Rwanda, c'est une même chose. Ce sont des bilotiques. Ils se protègent entre eux. Et les Congolais que nous sommes, d'autres sont naïfs. Balobi, non, regardez comment est-ce que Bapesi, honneur mérité, na président William Ruto, a Biden. Mais ça, c'est une humiliation pour l'Afrique. Ça, c'est une humiliation pour l'Afrique. Pourquoi vouloir s'asseoir sur une chaise de notre président d'un pays ton homologue comme toi? C'est une humiliation. Les gens ne pensent. Bon, tu as évité raisonnement à battre les années. Les Congolais m'ont écrit, tu as une vidéo, les images, les photos, je les redis, mais ça, c'est une humiliation. Mais non, les Congolais m'ont dit que les gens qui m'ont dit, Félix, tu sais qu'il dit le lot. À Longwe, Congo, Bayambi et na Rwanda, avec ses honneurs, tu sais qu'il y a Kéi, à Fandi, à Kiti, à Bokonzi, il y a Paul Kagame. Que parlez-vous? Que diriez-vous de cet acte? C'est pour dire que l'Africain bazali complexé vis-à-vis à l'Américain. Le geste qu'il a posé, qu'il y a des gens qui ont été complexés, nous sommes en train de faire la bango. Pendant que tu sais que dit, Azali Kolakisa Bango Moussapi, regardez. Et souvenez-vous, il y a discours, il y a Tata Mokonzi Ayekolo avec le président français Emmanuel Macron. Ayebi Sakiye, Atyeye Moussapi, il l'a doigté. Ayebi Sye, cette fois-ci, nous voulons des relations d'égal à égal. Toza Lissou soutient l'époque où il y a le 16e siècle, où il le problème de l'Afrique, la solution, il faut bande route de l'autre côté. Non, à l'objet aux problèmes africains, des solutions africaine. À l'obité que les solutions qui viennent de l'autre côté, n'engue ba américain, bazali koloba, le problème du Congo, c'est le dialogue. Tu sais que tu peux tenir tête na bango. Les gens ne savent pas pourquoi tu sais que tu es combattu aujourd'hui. C'est parce qu'il a dit clairement que les Occidentaux, bayaka, pour nous faire la morale. Ce qui se rappelle de l'interview du président de la République, na RCI. Il a doigté. Il a tenu la tête aux Américains. Alors, il y a un discours pour nous faire la morale. Mais la Chine et la Russie, il y a pour des amitiés francs et sincères, par la grande porte. Et ce sont ces deux pays-là qui peuvent rafler une grande mise en République démocratique. Il vient de nous tourner le dos. Et c'est Ngeni Sikoyo, Babundisaye. Comment maintenant, Babundisaye, il faut armer le pays de l'EAC. Tous ces pays membres de l'EAC, ce sont des Tutsis, des Nilotiques. Ces pays vivent grâce aux ressources minérales de la République démocratique du Congo. Makelele bozo ka Kenya zali ko sala wana makelele ya pamba, rien. Les résultats sont sur le terrain. Pourquoi aujourd'hui Bitumba tango M23 bandaki ko avancer? Pourquoi bandaki ko senga dialogue ti? Le nom bazali ko beta maneti bana mike, bazo kende de repli stratégique à repli stratégique. Le nom wilingo maloba kalisu souté, na wil sultan makel aloba kalisu souté, Corneille nanga uti ko loba ao. Et d'ailleurs, je l'avais dit. Je l'avais dit et je vais revenir.
Est-ce que tu as dit malam ya Otia Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale? Je vais revenir. Corneille nanga outa ki koloba. Même dans le cabinet de Félix Tshisekedi, batuna bango bazali. C'est nanga qui l'a dit. Alors même au sein de l'Union sacrée, batuna bango bazali, bazali ko bongise la bango nzela. C'est pas moi. Je vais le dire, lobby bozala est belé déjà, bozala déjà est belé wan. Marcel Malang, moi na Christian Malang, Makambouya lobby, Makambouya bimisi, qui sont cités, les grandes décisions sont attendues. Je vais revenir avec des détails sur les permutations armées. Peut-être à Boyoka Christian Tshiwewa ozala lissou sous chef d'état-major. Dans la police de changement, le chef de l'État est tellement fâché que Batumusozo Bazali Kokende na Boloko, Balongolie na fonction, Batingio na Ndolo. Le malchanceux, au moins, qu'ils seront condamnés à la peine de mort et seront les premiers à être exécutés. On parle de l'infiltration, mais on a officialisé l'infiltration à l'Assemblée nationale, si vous ne le savez pas. Et je vais en parler demain, soyez nombreux, je serai là. Attends, demain, on va en parler en long et en large. Sauf que le gouvernement est bimi, le lot n'a pas quoi. Pour la kibino, son gouvernement est bimi, je vais détailler chaque ministre dans Moussala Bapessi. Vous nous promettez de Massaroba comme à ma ministre? Ça, c'est quelle bêtise? Dans quel pays? Le Zangier, Olombo, Cannabis, Ezali, Nango, vous nous prenez un jeune comme Massaroba comme un ministre? Vous envoyez le nom de Massaro parmi les ministrables. Il est temps que nous, la jeunesse, tous à la éveiller. Ces gens-là ont fait leur temps. Ils n'ont rien apporté à la République. Je les ai nommés les sorciers de la République, ces présidiums de l'Union sacrée. Ils ont bloqué le bureau définitif de l'Assemblée nationale pendant cinq mois. Bureau définitif, Ezali Kobimate. Guerre sur guerre. Le nom, c'est l'un d'entre eux qui bloque la sortie du gouvernement. Bapé, ça y est qu'un ministère y a bidé. Comme si Nabisiko y a le kaké, il a laissé des réformes. Et là, le dignitaire de l'IDPS, ma chef Nabisiko a parti. Vous êtes en train de les accompagner. Je vous ai posé la question. Monsieur Augustin Kabuya, mon secrétaire général, je vous ai posé la question. À l'époque du PPRD, le PPRD n'arrivait même pas à avoir 150 députés comme parti politique. Bisso IDPS, Bissoka IDPS parti, nous avons 75 députés. Nos alliés, 75 députés, ça fait déjà 150 députés. On manque que 100 députés pour avoir la majorité dans la 4e Assemblée nationale. Pourquoi que nous disons que nous avons dit que en 2026, nous avons dit que la guerre, il y a Dauphina et Kobanda Kalamingite. Et vous êtes en train de le faire. Monsieur Kamere, qui son secrétaire général ne se cache pas. Chef de l'État lobby, changeons la constitution. Son secrétaire général, puis tu peux refuser le changement de constitution. Et ces gens-là, vous leur donnez encore l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura réellement changement de constitution? Vous êtes en train de berger des lions. Est-ce que dans l'UDPS, ma gêne à maillé les banalités? Les caméras de l'UDPS ne peuvent pas sortir. Je vous ai balancé la vidéo caméra au film d'Etienne Tshisekedi à lobby à détourner Mbongo. Il y a ma déplacé. Et c'est cette personne aujourd'hui qu'on fait confiance pour donner l'Assemblée nationale. Faites attention, l'Assemblée nationale, c'est là où il y a tous les enjeux. C'est là où il y a tous les enjeux. Je suis obligé de m'arrêter par là. On se retrouve avec vous demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.